Vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là, monsieur le maire? Arrêtez cette saloperie. Immédiatement. De quoi parlez-vous? Ce sont vos administrés qui manifestent. Il me semble qu'on avait un accord. Écoutez, je n'ai aucune influence sur eux et vous le savez aussi bien que moi. Si vous n'y mettez pas fin, vous savez ce qui arrivera. À vous de voir. Nous sommes en direct de la ville de Menzing en Haute-Bavière où les citoyens manifestent aujourd'hui leur inquiétude. À l'aide de tubes fluorescents, les manifestants dénoncent les effets néfastes de la pollution électromagnétique générée par les lignes à haute tension. À mes côtés, monsieur Adi Rudolphs, leader de la mobilisation citoyenne. Monsieur Rudolphs, êtes-vous un adversaire de la transition énergétique? J'ai rien contre la transition énergétique, mais je suis contre ces politiciens corrompus qui s'enrichissent en autorisant la construction de lignes à haute tension. Ouais, c'est vrai. MePower veut nous faire taire, et tous ces politiciens corrompus sont de mèche avec eux. Mais on ne laissera pas le grand capital nous écraser. Les gens de la mairie. Mesdames et messieurs, soyez raisonnables. Arrêtez. La transition énergétique exige quelques concessions de notre part. Tout ça, c'est ta faute, Steinhofer. T'as vendu notre terre natale, espèce de salaud. Adi, tu t'es laissé acheter par MePower. Oh. J'ai dû aller à la manif. Sur la terrasse aussi, ils ont fait des graffitis. Carrément idyllique, non? Et dire que dans un si joli cadre, ma mère s'est fait assassiner. Franz Steinhofer, ça fait plus de 25 ans qu'il était en poste. Bah dis donc, il devait être très apprécié, alors. Oui. Il avait peut-être juste adhéré au bon parti. J'ai dû me tromper sur sa cote de popularité. Il y en a d'autres derrière la maison. Bonjour, Axel. Bonjour. La victime est là-bas. C'est sa femme qui l'a trouvée aux environs de 6h30. Si ça se trouve, M. Steinhofer a surpris l'artiste en flagrant délit. Il lui a demandé des explications. Ils en sont venus aux mains et ensuite, l'autre s'est enfui à travers la haie. Oui, c'est une possibilité. Bonjour, docteur. Bonjour. La blessure à la tête est insignifiante. Les cervicales sont intactes. Je pencherai plutôt pour une cause interne. Il était quelle heure? La rigidité cadavérique n'est pas complète. Il est mort depuis 8 à 11 heures. Il y a une mobilisation. Tout ça est peut-être lié. À l'arrivée dans le village, il y avait un certain nombre de pancartes. Ça disait non aux pylônes.
Elles ont été installées par la mobilisation citoyenne. Ils se battent contre le projet de ligne à haute tension qui doit être implanté à peine à 400 mètres d'ici. Et le maire y était favorable ? Oui, apparemment. Franz était très apprécié dans le village. Certains lui ont reproché sa corruption dans l'aboutissement du projet de ligne à haute tension. C'est pas une raison pour tuer Anna. Croyez-vous que ça puisse être quelqu'un de la mobilisation citoyenne ? Madame Steinhofer, je dois vous demander. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois ? Vers 21h. Je m'apprêtais à aller me coucher. Et ça ne vous a pas étonné qu'il ne vienne pas vous rejoindre ? Non. Il lui arrivait souvent de s'endormir devant la télé. Il était très attaché à sa fonction de mère. Plus qu'à tout le reste. Je n'arrive pas à le croire. Monsieur Steinhofer était vraiment quelqu'un de bien. Il y a pourtant des rumeurs selon lesquelles votre patron aurait touché une commission pour l'installation de la ligne à haute tension. Pas lui, non. Quand a-t-il quitté le bureau, hier ? Après le coup de téléphone avec Albig. Juste après 20h. Monsieur Albig ? Un câble de Mipower. Le consortium d'énergie chargé de l'installation de la ligne à haute tension. Monsieur Albig était furieux. Merci, Anne-Marie. Je vais m'en charger. Bonjour, messieurs. Monsieur Dallmayr, adjoint au maire. Est-ce que je peux vous aider ? Oh, mais certainement, oui. Merci, Madame Bouchard. Je vous en prie. Ce tracé est une chance pour notre commune. Le maire voyait les choses comme vous ? Il lui a fallu un certain temps, mais quand il a réalisé les avantages, c'est lui qui a convaincu le conseil. Vous voulez dire des avantages à quelle hauteur ? La municipalité touche 40 000 euros par kilomètre de tracé entamé sur le périmètre de la commune. Et nous avons besoin de cet argent pour boucler notre budget. Nous devons rénover les écoles, les crèches, l'infrastructure. Il circule des rumeurs comme quoi le maire se serait fait acheter par Mipower. C'est ridicule. La procédure s'est déroulée sans accroc. Certains voient les choses autrement. Ah oui, la mobilisation citoyenne. Ça ne représente qu'une minorité. Des réfractaires. Des citoyens en colère. Comment ça, en colère ? Eh bien, tout a commencé par les graffitis au domicile de Steinhofer. Suivi, il y a quelques jours, par cette lettre. Moi qui lui disais de ne pas prendre ça trop au sérieux. Avez-vous une idée de qui a pu l'écrire ? Peut-être Adi Rudolph, notre soi-disant baron. Il se prétend aristocrate. C'est lui qui a lancé la mobilisation citoyenne. À moins que ce soit Martin Schauber. Un type à problème depuis toujours. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces deux-là ? Martin Schauber travaille à la menuiserie et Adi Rudolph est propriétaire du centre équestre. Il vit là-bas avec sa fille. Et vous faites tourner ce centre tout seul ? Seulement votre fille et vous ? Le bon personnel est difficile à trouver, mais Maya m'est d'un grand soutien. En principe, elle était censée prendre ma suite, mais j'imagine que vous êtes au courant. Oui, oui. La ligne à haute tension. Le tracé passe juste derrière la maison. Ça compromet mon exploitation florissante. Venez, je vais vous montrer. Tenez, regardez ça, c'est tragique. L'électrosmog est un poison, et pas seulement pour les chevaux que j'élève. Pourtant, il doit bien y avoir des seuils à respecter. Des seuils dictés par l'industrie. Pour ces escrocs, tout ce qui compte, c'est l'argent. Steinhofer a voté pour, à l'opposé de ses convictions. Ça a économisé des millions au consortium, et il le savait parfaitement.
Vous avez des preuves pour étayer vos accusations? Je dis ce que tout le monde pense. Et ensuite, vous l'écrivez. Pardon? Monsieur Rudolph, où étiez-vous hier entre 21h et minuit? Ici. Quelqu'un peut nous le confirmer? Ma fille, oui. Si vous voulez bien m'excuser. Tu crois qu'il marche aussi bien que ça, son centre équestre? Je vais me renseigner auprès de sa banque. Je n'ai jamais écrit de lettre de menace. C'est pas mon style. Et c'est quoi votre style? Le meurtre. On voulait quoi, concrètement? Steinhofer a été assassiné. Je n'ai rien à voir avec ça. Adressez-vous à d'autres. Est-ce que vous pourriez préciser qui? Il s'est rallié aux gens de Mipower. Du jour au lendemain, il était pour la ligne à haute tension. D'après ce que je sais, tout le conseil municipal a voté pour. Oui, oui. Tout le monde a suivi. Quand le roi du village dit quelque chose, on s'exécute. Et dans un autre genre, les graffitis, c'est votre style? Non. Où vous trouviez-vous hier soir entre 21h et minuit? À la salle de sport de Lechburn. Je vous dis à bientôt. Elle a de l'allure. Pour les seniors, c'est le vendredi. Tiens ton dos! Je serais plus intéressé pour un cours d'équitation western. Pour les shérifs. Vous voulez que je la porte? Merci. Ça va aller. C'est une vieille blessure. Ça me fait de la peine, ce qui est arrivé à M. Steinhofer. Il était gentil. Vous le connaissiez bien? Je travaille à la mairie, je suis employée administrative. C'est pas le job de mes rêves, mais ça me laisse du temps pour les chevaux. Mmh. Donc le maire était votre patron, si je comprends bien? Ouais, il était très chouette. Et votre père, il avait quel genre de relation avec lui? Ils étaient pas très copains, tous les deux. Ça, c'est sûr. À cause de la ligne à haute tension. Mmh. Vous croyez quand même pas qu'il... Quand il attrape une mouche dans la maison, il la relâche dehors. Vous savez où il était hier soir? Après la manif, il était à la maison, comme d'habitude. Ma mère est décédée il y a 6 ans. J'aimerais bien qu'il sorte un peu plus. Eh bien, mademoiselle, ce sera tout pour l'instant. Au revoir. Au revoir. Et Monsieur Voss? Désolée pour tout à l'heure. L'équitation senior. Oh, pas de soucis. Rien de nouveau du côté du labo? Pas encore. Par contre, Martin Schauber a un passé plutôt intéressant. Il serait à l'origine d'un incendie, mais on manquait de preuves. Du coup, la plainte a été classée sans suite. Et pendant la manifestation, il s'est pas mal frité avec le maire. Adi Rudolph aussi. Un vrai petit révolutionnaire, ce jeune homme. Il a un alibi? C'est justement ce que je suis en train de vérifier. Il m'a paru passablement nerveux quand je l'ai interrogé à propos des graffitis. Et à la menuiserie, j'ai vu un certain nombre de bombes de peinture. Je devrais y refaire un tour. Ok. Salut, Gert. Salut. Quoi de neuf? D'après ce que dit sa banque, Rudolph sera bientôt en faillite. Monsieur le baron n'a pas franchement fait fructifier le patrimoine familial. Quasiment pas de recettes, et ces 4 dernières années, c'est la dégringolade. Donc il met ça à tort sur le dos de la ligne à haute tension. Ça reste à voir. Rudolph avait l'intention de mettre en vente 2 de ses parcelles comme terrain à bâtir. Mais à cause du projet Mipower, elles ont perdu toute leur valeur. Je vois.
Et les accusations de corruption, elles sont justifiées? Mipower? Oh. Mipower est dans une position intenable. Et pourquoi? Parce que les riverains continuent de tout faire pour empêcher la reprise du chantier. Mipower a besoin de construire cette ligne coûte que coûte. Alors on va leur demander combien ça leur a déjà coûté. Allô, oui? Ah, docteur Zimmer... Oui, quoi? Toute la nuit, c'est... Oui? Oui, on arrive. Ah, tout de suite. L'heure du décès? Entre 21 et 23 heures. Tiens, tiens, chasseur alpin. Le tatouage, le chamois, c'est leur ancien emblème. À propos de Marc, celle-ci. Au premier examen, elle m'avait échappé. Des traces de taser. Ah, un pistolet à impulsion électrique. On l'a attaqué par derrière. En surface, les deux électrodes ont provoqué une irritation cutanée, mais en interne, elles ont causé un arrêt cardiaque. Pourtant, il ne s'agit pas d'une arme mortelle. À moins qu'on soit atteint de cardiomégalie. D'ailleurs, c'est un phénomène qui n'est pas rare chez les hommes vieillissants. L'obésité, le stress, la mauvaise alimentation, l'excès d'alcool... D'accord. Et à cause de cette cardio... Mégalie. La décharge électrique, normalement inoffensive, lui aurait été fatale. À ce sujet, c'était quand, votre dernier contrôle? C'est gentil à vous de vous en préoccuper, mais je me porte très bien. Moi aussi. Tu lui as dit? J'ai pas eu l'occasion. The sky above won't fall down. See no evil in all directions. Resolution of happiness. Things have been done for too long. Don't change for you. Don't change a thing for me. Don't change for you. Don't change a thing. S'il vous plaît, comment accède-t-on à l'étage de la direction? Vous avez tenté de déposer une candidature? Je viens de l'étage de la direction. Yasmine Balek, senior manager de l'exploitation régionale. Oh. Excusez-moi. Commissaire Voss, je me disais... Que j'ai l'air trop jeune pour l'étage de la direction? Oui, en tout cas, je ne vous voyais pas en cadre senior. S'il est vrai que la jeunesse est un défaut, on s'en corrige bien vite. C'est ce cher Goethe qui l'a écrit. Et comme il avait raison, ce bon vieux Goethe. Bienvenue chez Mipower. Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Albic vous attend. Monsieur Albic est un de nos meilleurs chargés de communication. Il vient justement de la région concernée par le projet. Il connaît la population et il discute avec les communes. Il doit faire preuve de persuasion. De conviction. Il suffit de trouver les bons arguments. Ah, vous voulez parler d'argent? Les municipalités bénéficient de compensations non négligeables. L'argent en soi n'a rien de déshonorant, non? Non. Tant qu'on s'en tient à des principes honorables. Monsieur Steinhofer a longtemps été contre le projet de ligne à haute tension. Et puis, soudainement, il l'a accepté. Vous semblez avoir de vraies capacités de persuasion, monsieur Albig. Tout ce que j'ai fait, c'est expliquer au maire les avantages qu'en retirerait son village. Et il les a reconnus. Vous êtes de la région, non? De la commune voisine. Ça vous est égal ce que va devenir votre village natal? Au contraire. Je m'implique dans son développement. Je veux qu'il profite de la transition énergétique. Tout comme monsieur Steinhofer a profité de vous. Notre consortium a une attitude très stricte à l'égard de la corruption. La planification du tracé s'est faite en toute transparence. Nous avons été très clairs. Jusqu'à il y a 2 mois, personne dans la commune n'était au courant de votre projet. La population a été dûment informée. Comment dit-on déjà?
La démocratie indirecte? Les plans et la maquette définitive pour la construction de la ligne ont été exposés en mairie pendant 4 semaines. Monsieur Steinhofer, en qualité de maire, et le conseil municipal ont donné leur accord. Ce sont des représentants démocratiquement élus. Il s'agit donc de démocratie directe. La transition énergétique, on la désire tous. Mais on ne décide pas des lois. On se contente de les suivre. D'après sa secrétaire, il y a 3 ans, Steinhofer s'est opposé au passage d'une route nationale dans la commune. Et tout à coup, il aurait accepté cette ligne? Pourquoi aurait-il mis en danger sa popularité pour quelques milliers d'euros et risqué de perdre les prochaines élections? Si tu veux mon avis, ça pue tout ça. Oui, Axel? C'est bon, on arrive. On tient le vandale. Nous avons trouvé un pull chez vous et nous avons analysé des fibres. Ce n'est pas mon pull. Les témoins disent que si. Et au-dessus, il y a des particules de peinture qui correspondent exactement à celles utilisées au domicile de Monsieur Steinhofer. Monsieur Steinhofer vous a surpris à taguer sa maison. Il y a eu querelle et vous vous êtes défendu. Je vous suis pas là. La dernière fois, je vous ai dit que ce soir-là, j'étais... La salle de sport à Lechberen, je sais. Exactement. Sauf que là-bas, personne ne s'en souvient. C'est sans doute vous aussi qui avez écrit la lettre de menace. De quelle lettre parlez-vous? Nous avons trouvé une imprimante chez vous, Monsieur Schauber. Si c'est elle qui a servi à imprimer la lettre, nous le saurons. Et si pour changer, vous nous disiez la vérité? Avant-hier soir, où étiez-vous? Chez Maya. Après ma scolarité, je suis parti. Directement en Norvège. À mon retour, Maya était là alors qu'elle était censée aller à Berlin pour devenir vétérinaire. Et on a commencé à sortir ensemble. Et depuis, vous vous êtes impliqué avec Monsieur Rudolph dans son combat? Non. Ça n'a rien à voir avec Maya. C'est chez moi ici, j'y suis né. On va pas les laisser faire. Il fallait agir. En commettant un meurtre. Vous vouliez la vérité, je vous l'ai dite. Si vous me croyez pas, c'est votre problème. Vous n'avez qu'à aller voir Maya et lui poser la question. J'ai passé toute la soirée chez elle. Oui, merci. Maya Rudolph confirme l'alibi de Martin Schauber. Et l'analyse de son imprimante a démontré que l'encre n'est pas celle qui a servi à imprimer la lettre de menace. Bon, eh bien, on va être obligé de laisser partir ce jeune homme. Et qu'en est-il de notre DIRCOM modèle de chez Mipower? Albic? Il subit une grosse pression. Il a fait beaucoup de promesses, mais la plupart de ses projets sont stagnants. C'est pour ça que la ligne à haute tension de Menzing compte tant pour lui. Axel? Qu'est-ce qu'on a comme info sur elle? Ils étaient mariés depuis 30 ans. Ils ont un fils qui vit en Australie. Et dans le village, apparemment, elle serait plutôt appréciée. Ce qui est sûr, c'est que leur mariage n'était plus qu'une façade. D'après qui? D'après la charmante et compétente employée de boulangerie à qui j'ai acheté un sandwich. Elle a parlé d'une maîtresse. Oui, oh, ça ne m'étonne qu'à moitié. Venant d'un homme qui travaille jusque tard dans la nuit et qui a l'habitude de dormir sur le canapé. Ça pourrait expliquer ce que les collègues ont trouvé dans la voiture de Steinhofer. Une chaîne et un pendentif, de valeur. La facture était avec. Tu as vu la gravure? AF. C'est probablement un cadeau pour la filleule de Franz. Elle s'appelle Amélie Francisca. À moins que ces lettres A et F signifient Anne-Marie et Franz. Un symbole du lien entre votre mari et sa secrétaire. Anne-Marie Boyshirt. Qui raconte ce genre de choses? Moi. Écoutez, si vous voulez que nous trouvions l'assassin de votre mari, vous allez devoir nous dire la vérité. Vous voulez la vérité? La vérité, c'est qu'il avait une liaison. Je respirais sur lui le parfum bon marché de sa traînée de secrétaire.
peut-être que Madame Boyshirt n'a jamais pu accepter le fait que Franz ne soit pas prêt à divorcer. Steinhofer aurait souhaité qu'on vous remette ce pendentif. Merci. Je n'ai jamais demandé à Franz de divorcer. Au contraire, je voulais que les choses restent comme elles étaient. Mais Franz... Lui aurait voulu divorcer. Il voulait... tout régler... clarifier nos relations. Ça veut dire quoi, tout régler? Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. En tout cas, je sais qu'il a appelé son notaire. On en parle au moins. Attends. Mais attends, Martin. Pourquoi faire? Tu ne viens pas avec moi, point barre. Je peux pas m'en aller. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas responsable de ton père. Tu as toujours voulu partir étudier et devenir vétérinaire. Pas faire gratte-papier à la mairie. Je veux vivre avec toi. Je veux aller à Berlin avec toi. Oui. Je veux que tu fasses tes études de vétérinaire. Je travaillerai, je ramènerai de l'argent. Je sais. Et les gens d'ici, alors? L'action contre Meepower. Quelle action? On les fait rigoler, tu comprends pas? Face à leur pylône, on ne fait pas le poids. Il faudrait leur faire peur. Frapper un grand coup. Ce serait trop dangereux. Fini. Le coup du notaire, c'est la vérité. Steinhofer avait décidé de faire un testament en faveur de sa maîtresse. Et qu'est-ce qu'il prévoyait? Madame Steinhofer n'aurait pas apprécié. La maison et la fortune devaient revenir à sa maîtresse, Anne-Marie Boyshirt. Sa femme n'aurait hérité de rien. Mais ce testament n'est jamais arrivé chez le notaire. Un testament? Franz ne m'en a jamais parlé. Vous n'en auriez pas trouvé une ébauche dans ses papiers? Par hasard, Madame Steinhofer. Ce n'était pas suffisant pour vous? Tout de même 250 000 euros. De quoi parlez-vous? Le notaire de votre mari a parlé d'une compensation de 250 000 euros en cas de divorce. De sens. Tout ce que j'aurais eu, donc, c'est le minimum prévu par la loi. Il voulait vous quitter. Après toutes ces années. Les caméras, je les regarde des gens au village.
j'ai supporté tout ça. Toujours garder la tête haute. Ne pas le discréditer. Et en guise de remerciement, il ne m'aurait même pas laissé la maison. C'est pas pour autant que je l'aurais tué. Car mon mari, je l'aimais. Malgré tout. Pour moi, c'est sa veuve qui a le mobile le plus plausible. Je veux dire, elle aurait tout perdu si le testament évoqué par le notaire lui était parvenu, alors qu'elle n'était au courant de rien. Elle aimait son mari et elle se battait pour le garder. Je crois pas qu'elle l'aurait tué. Zedelmeyer vit totalement au-dessus de ses moyens. La secrétaire de Steinhaufer m'a discrètement aidé. Ah tiens, non. Contrat de consultant avec la société mère Mipower. Et Zedelmeyer l'a signé juste après que le conseil municipal a donné sa bénédiction pour la ligne à haute tension. Madame Boyshirt m'a confié autre chose encore. Le jour de l'assemblée du conseil, il y a eu une dispute entre Steinhaufer et Zedelmeyer. T'as fait une nuit blanche? Et l'heureuse élue, elle a un nom? Spectromètre à infrarouge. J'ai réexaminé de plus près la lettre de menace et j'ai décelé de microscopiques particules de 20 terrequinum. Fumier de cheval. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, le shérif veut monter? Non. Désolé. Où se trouve votre père? J'en sais rien. Vous maintenez qu'il était à la maison le soir où Steinhaufer a été tué? Oui. On n'a rien trouvé. Vous étiez une cavalière extrêmement prometteuse. Mais ça n'a pas suffi pour faire carrière. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Accident de la route. Le médecin a dit que c'était la pire fracture du bassin qu'il avait jamais opérée. Je suis désolé. Je suppose que je devrais annuler mes reprises pour aujourd'hui. Je crains que oui. On a jeté un coup d'œil au bureau de Rudolphs. On n'a trouvé ni imprimante, ni papier, ni cartouche. Arrêtez ça tout de suite! Arrêtez! Reculez, Rudolphs.
comme celle-là, il y en a des millions sur le marché. Malheureusement, chaque imprimante a des caractéristiques bien particulières qui apparaissent sur le papier. Cette lettre, nos techniciens de la police scientifique vont l'attribuer sans aucun doute à votre imprimante. D'accord. C'est moi qui ai écrit la lettre. Mais pourquoi je l'aurais tué? Ce n'est pas ça qui aurait annulé le projet de la ligne à haute tension. Pour le punir. Ce qui comptait, c'était le punir. Tu as jusqu'à demain pour te livrer ou on t'achève. Steinhofer devait se dénoncer lui-même pour que tout le monde soit au courant du scandale. Mais il n'a rien fait de ce genre. Alors vous avez disjoncté. Non. Je n'ai pas bougé de chez moi. Ma fille vous le confirmera. Vous savez, les alibis fournis par un membre de la famille n'ont strictement aucune valeur de toute façon. Il a un mobile, il a menacé la victime et il y a un risque qu'il tente de s'enfuir. Bon, le juge d'instruction décidera si on le met en détention provisoire. Ça vous dit une bière en fin de journée? Je suis partant. Axel, une petite bière pour terminer la journée? Et comment? Tu ne viens pas? Non, j'ai un truc à faire. Contente que vous ayez pu venir, Monsieur Voss. C'est l'endroit idéal pour une rencontre secrète, vous ne trouvez pas? Je crois que vous avez vu trop de films d'espionnage, Madame Malek. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi à ce que vous avez dit la dernière fois. Sur les principes. Il semblerait que vos soupçons concernant Monsieur Albig soient justifiés. Notre groupe a mis en place des mesures très strictes contre la corruption, mais... Mais quand des gens sont aussi performants que lui, on a tendance à fermer les yeux, c'est bien ça? Albig agit de façon intelligente. Il a des comptes cachés difficiles à retracer. Mais moi, je ne veux pas être mêlée à ce genre de magouille. Un des techniciens de la boîte me devait un service, et j'ai entendu une conversation téléphonique. Vous êtes bien consciente que vous risquez de perdre votre job? Je sais très bien que c'est vous qui êtes derrière tout ça, Albig. Monsieur Steinhofer, aujourd'hui, vous avez librement décidé de convaincre le conseil municipal de l'intérêt de notre projet. Nous nous en réjouissons. C'est une preuve de vos talents politiques. Librement décidé. Espèce de petit branleur hypocrite. Vous allez le regretter, je peux vous le garantir. Encore une fois, merci pour votre coopération. Merci. Avez-vous déjà envisagé de vous reconvertir? Je crains de ne pas avoir le courage nécessaire. Vous seriez doué. C'est seulement parce que j'ai vu trop de films d'espionnage. Je sais très bien que c'est vous qui êtes derrière tout ça, Albig. Monsieur Steinhofer, aujourd'hui, vous avez librement décidé de convaincre le conseil municipal. Vous avez extorqué son approbation au maire. Comment? Steinhofer, vous avait-il menacé de révéler vos malversations? C'est pour ça qu'il est mort? Commissaire, voyons. Vous n'avez pas la moindre preuve de vos allégations absurdes. Et le fait que juste après l'accord du conseil municipal, Zedelmeyer ait signé un contrat de consultant avec Meepower, vous appelez ça une allégation aussi, peut-être? C'est un pur hasard. Zedelmeyer a des qualités qui parlent en sa faveur. Et il va révéler le détail de ses revenus comme le font tous les politiciens honnêtes. Vous avez utilisé Zedelmeyer pour faire plier Steinhofer.
Comment? Qu'avait-il découvert de compromettant? Ça suffit. J'ai un alibi. Et vous vous êtes procuré cet enregistrement illégalement. En l'absence de mon avocat, je n'ai plus rien à vous dire. Comment ça s'est passé? Bon, moi je suis en train d'éplucher le dossier de l'accident de vélo de Maya Rudolph Sidia 4 ans. On en est où concernant le mandat de perquisition chez Edelmeyer? Mais imagine qu'on ne trouve rien. On va trouver. On va sortir l'artillerie, toute la panoplie. Ce type-là, je veux lui faire peur, je veux qu'il fasse dans son froc. Madame Edelmeyer, je me présente Riedman, police criminelle. J'ai un mandat de perquisition. Bonjour. Est-ce qu'il y a un coffre-fort dans la maison? Bien, alors soyez gentil de l'ouvrir pour mes collègues, s'il vous plaît. Merci. Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Edelmeyer, c'est chouette chez vous. Très douillet. Au fait, on gagne combien en tant qu'adjoint au maire d'une commune comme celle-ci? Madame Boyshirt nous a confié qu'avant la dernière réunion du conseil, vous et Steinhofer avez eu une querelle retentissante. Exact. Nous avons eu une petite discussion. Je sais que vous faisiez chanter Steinhofer à la requête de Halbig pour permettre la construction de la ligne à haute tension. En échange de quoi, vous avez obtenu ce contrat de consultant? Nous avions négocié ce contrat il y a longtemps. Vous aviez négocié des espèces aussi? Il y a 100 000 euros. On les a trouvés dans le coffre. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça prouve? On trouvera peut-être les empreintes de Monsieur Halbig dessus. Chérie, tu veux bien nous laisser seuls un instant, s'il te plaît? Vous vous êtes laissé acheter. Steinhofer s'en est rendu compte. Il voulait vous dénoncer, vous et Halbig. C'est pour ça qu'il devait mourir. L'argent, oui. Mais je ne l'ai pas tué. Avec quoi l'avez-vous fait chanter? Rien. Il voulait de l'argent, et... mais on n'en est pas arrivé jusque-là. Il est mort avant. Ah ouais? C'est tout? Non. J'ai encore une question. Votre femme nous a dit que vendredi soir, vous êtes rentré chez vous aux alentours de 22h15. Avant ça, vous étiez où? Edelmeyer était à Augsbourg, dans un club sadomaso avec une dominatrice. Et la dénommée Martha nous a révélé avec plaisir que... à l'heure du crime, le petit Kager était chez elle pour son traitement habituel. Dans ce cas, on le raye de la liste des suspects, mais je suis sûr qu'il sait quelque chose. Reste à savoir comment il a fait pour convaincre Steinhofer d'accepter la construction de la ligne. Nous n'avons pas trouvé beaucoup d'espèces chez lui. Edelmeyer a été son adjoint pendant des années. Il est peut-être au courant de trucs compromettants. J'ai déjà vu ça. Déjà vu quoi? Vous voulez me piquer mon job? Je veux seulement vérifier un détail. J'en étais sûr. Quentin? Cher docteur, vous m'avez beaucoup aidé. Geert. À la suite de son accident, Maya ne se souvenait de rien. Elle était incapable d'identifier qui que ce soit. Seul le symbole du chamois restait gravé dans son esprit. Le tatouage de Steinhofer. L'emblème du régiment des chasseurs alpins dans lequel il avait servi. Nous savons où et quand l'accident a eu lieu. La question est de savoir si Steinhofer était dans les parages quand c'est arrivé. Il l'était. Un rassemblement du parti dans un village voisin. Et à l'heure approximative de l'accident, il se trouvait sans doute sur la route du retour, qui passait justement par le lieu de l'accident. Vous étiez dans la voiture quand Steinhofer a eu l'accident. Vous êtes l'un et l'autre coupable de délit de fuite. Ouais. Et de non-assistance à personne en danger.
qu'avec les camarades du parti, on avait bu quelques verres. Oui, arrête Steinhofer. Franz est sorti de la voiture. Il y avait une fille allongée sur la route. Je l'avais pas vue. J'ai tout de suite sorti mon téléphone et je m'apprêtais à appeler les secours. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les secours. Attends, tu te rends pas compte? Les prochaines élections, je fais une croix dessus. Et toi aussi? Du coup, je lui ai proposé qu'on les appelle depuis la prochaine borne d'urgence. Franz répétait toujours que dans les affaires, il fallait absolument savoir des choses compromettantes pour éliminer les autres en cas de besoin. Et quand Mipower a voulu faire passer la ligne à haute tension à travers le village alors que Steinhofer était contre, cette info compromettante pour l'éliminer, vous la teniez. Seulement, ce n'est pas cette histoire de corruption que Steinhofer devait avouer, c'est sa responsabilité dans l'accident. D'où la lettre de menace. En dehors de Rudolph, une seule personne avait accès à l'imprimante. T'es vraiment très douée, vous savez. Et lui, il a tout fichu en l'air. Il m'a laissé sur la route et il s'est barré. Vous avez reconnu Steinhofer à son tatouage. C'est bien ça. Il y a environ une semaine. Il était venu récupérer quelques dossiers. T'es remonté tout d'un coup. Ça m'a mise dans une telle colère. Vous vouliez qu'il avoue enfin sa culpabilité. C'est vous qui avez écrit la lettre. Et ensuite, vous êtes allé chez lui.
Il voulait juste me protéger. C'était un accident. Il voulait partir à Berlin depuis longtemps. Et maintenant, on n'est même plus ensemble. Il est où, Martin ? Gert ? La mairie est en train de brûler. Je vais faire un geste pour que tout le monde sache ce qui se passe ici. Martin, ne faites pas ça, ça n'en vaut pas la peine. Je n'ai plus rien à perdre. Bien sûr que si. Maya. C'est terminé. Berlin, alors ? Vous deviez y aller ensemble. Qu'est-ce que tu veux par toi ? Je viens avec toi. Je viens avec toi. Félicitations, commissaire. C'est un vrai succès. Ouais, pas tout à fait.
Apparemment, la ligne haute tension va être construite. Si ça se trouve, la presse annoncera demain que Mipower envisage une modification du tracé. On dirait que vous êtes monté en grade. Je suis parti. Ces gens-là et moi, on n'est pas compatibles. Merci beaucoup pour votre aide. À propos, je me suis rappelé une citation de Goethe, moi aussi. Il faut être jeune pour accomplir de grandes choses. Qui sait, on se reverra peut-être.